ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد يا إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعادنا الله منها. طيب يا إخوتي الكرام، ندرس أو نتدارس في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بابا جديدا يتعلق بنفس الموضوع الذي مر بنا في الدرسين السابقين، ألا وهو موضوع الاصطلاحات الشرعية التي اصطلح عليها علماؤنا الكرام من سلفنا الصالح. فإن شاء الله تبارك وتعالى نختم هذا الموضوع بهذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون إن شاء الله مراجعة لنا وتثبيتا لأذهاننا وقلوبنا بإذن الله. طيب، فقد صدر المؤلف هذا الباب بكلام قاله الإمام المعاصر محمد أمن الجامي رحمه الله تبارك وتعالى، إمام من أئمة السنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. Donc je disais mes frères que ce chapitre aujourd'hui il vient terminer ce que nous avions déjà évoqué ou étudié des deux chapitres précédents. Et ceci, Inch'Allah, nous servira de révision, muraja'a, et aussi de raffermissement quant à ces problématiques. Tout ce qui concerne les dénominations qui se trouvent chez les gens de la sunna, par lesquelles ils se différencient des gens de l'innovation religieuse et des gens de la passion d'une manière en général. Et l'auteur ici, donc Cheikh Mohammed Sa'ad Rasoul Hafidallah, a débuté ce chapitre en citant la parole d'un grand savant qui est mort il y a quelques années, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, Cheikh Mohammed Amin al-Jami, yas'Allah tabaraka wa ta'ala yarhamahu rahmatan wasi'a. Cet imam qui était connu pour sa défense de la sunna contre toute altération, contre toute personne qui l'avait en aversion. Il était connu aussi pour appeler les gens à la voie au minhaj al-salafi, au minhaj ahli sunnati wal jama'a. Et pour ceci, les grands savants lui ont fait toutes sortes d'éloges. Entre autres, et récemment, une éloge magnifique de Cheikh Salih al-Fawzan. Taïb. Yaqulu hadha al-imam, عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حاضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين شملتهم شهادة رسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين. Il dit Cheikh Mohammed Amin al-Jami rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, lorsque nous utilisons le terme de salaf, donc ici il vient spécifier, expliquer cette terminologie. Lorsque nous utilisons le terme de salaf, nous voulons signifier par celui-ci, d'un point de vue terminologique ou religieux, ou sur laquelle se sont entendus les savants, nous voulons signifier les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, qui ont vécu son époque et qui
et prirent de lui cette religion directement dans toute sa pureté, dans ses fondements et ses ramifications. Cette terminologie intègre aussi les suiveurs, at-tabi'un, ceux-là même qui ont hérité de leur science, c'est-à-dire de la science des Sahaba, avant que le temps ne leur semblère trop long. Ceux qui ont été englobés dans le témoignage de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur et son éloge à leur égard en disant qu'ils constituent parmi les meilleurs des générations. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens ou des générations, ce sont la mienne, puis celle qui a suivi, puis celle qui a suivi. Le prophète a cité les trois premières générations de musulmans. Non ? C'est en ce sens que At-tabi'un, il rentre dans le témoignage et dans l'éloge que le prophète leur a fait. Il en est de même aussi que rentre dans cette terminologie de salaf, atba'u tabi'in, les suiveurs, les successeurs. D'une manière générale, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les trois premières générations de musulmans. Ceci, bien sûr, ça reste dans la généralité. Car il se trouve que parmi la génération du prophète, certains ont mécru. Non ? Abu Lahab, Abu Jahl, et tous ceux qu'on connaît, Al-Nadr ibn al-Harith et d'autres. Parmi Tabi'in, nous avions déjà évoqué ceci, certains se sont égarés. Atba'i Tabi'in, un peu plus. Walakin, d'une manière générale, la globalité, les gens étaient sur la droiture. Et c'est pour ceci que le prophète alayhi salam a vanté ces trois premiers siècles. Historiquement parlant, après ces trois premiers siècles, les innovations religieuses ont pris une ampleur terrible dans la communauté du prophète. C'est ce que dit ici Cheikh Amel al-Jami. ثم يقول وهو لفظ مصطلح عليه وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح فإذا لا بد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوالهم. Voici un terme de salaf sur lequel se sont mis d'accord les savants, comme nous l'avions déjà expliqué. Cette terminologie de salafi, elle est apparue à un moment donné où les gens se réclamaient du livre d'Allah et de la sunna du prophète, mais l'expliquaient à leur manière. Mais pour corroborer, pour appuyer leur voix déviante, ils disaient, nous faisons partie, nous suivons le livre d'Allah et de la sunna du prophète. Naam, kadiban wazura. En mentant, bien sûr, effrontément. Alors, les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont mis en place cette terminologie pour dire, un salaf. Nous suivons les salafs, c'est-à-dire nous suivons le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la compréhension des salafs, des pieux prédécesseurs, qui sont en premier lieu les sahaba. Non ? Écoutez bien ce que dit Cheikh Mohammed Amel al-Jami. Voici un terme sur lequel se sont mis d'accord les savants, et cette terminologie est apparue et est devenue courante lorsque les disputes apparurent. Et lorsque ces disputes et ces polémiques traitèrent de sujets autour des fondements de la religion, et ceci entre les sectes des gens de la philosophie et du kalam. Chacun d'entre eux essaya de s'affilier au salaf, en proclamant haut et fort que ce sur quoi ils étaient représente ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Il est donc nécessaire qu'apparaissent, et la situation est ainsi, des fondements et des règles ayant des repères clairs et établis pour le courant salafi. Kawaid, naam, wa usus. Afin que toute personne cherchant à suivre cette voie et littéralement de tisser de cette manière, de suivre scrupuleusement les traces des sahaba, afin que toute personne cherchant à suivre cette voie et tisser de cette manière ne soit pas victime de confusion
sur cette chose-là. D'accord, les frères? Nous avions déjà vu ceci dans les cours précédents. يقول المؤلف والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك فقيل لهم السلف والسلفيون والنسبة إليه السلفي. Cheikh Rasslan dit ceux qui font preuve de fermeté sur la voie prophétique sont affiliés à leurs pieux prédécesseurs, tout simplement. Dans ceci on dira de les salaf salafiyun ou alors les salafi. هناك يا إخوتي الكرام وأشار إليها إلى هذه النقطة المؤلف في اصطلاح أو في لفظة سلف وخلف. Il faut faire une distinction entre, comme on l'avait vu la semaine dernière, le sens linguistique du terme et le sens religieux ou légiféré, si on peut le dire comme ça. Il faut faire une différence. Nous avions vu déjà que le terme de salaf, salafi, ou salaf, que signifie-t-il dans la langue arabe? Al-salaf, jam'u salif. Wa salifu huwa al-mutaqaddim. Non, c'est celui qui précède. Idhan, al-salaf, hiya al-jama'atu al-mutaqaddimun. Non, les salaf, c'est le groupe qui a précédé. Ça, c'est le sens linguistique du terme. Non, et nous avons fait deux. Des prédécesseurs et des modèles pour les générations postérieures ou les générations qui suivirent. L'imam al-Barawi, justement, a expliqué ce terme en disant que al-salafi ou al-salaf hum al-mutaqaddimun min al-aba hatta yatta'iza bihim al-akhirun. Ce sont les prédécesseurs parmi les pères, les grands-pères, les ancêtres, afin que les générations d'après prennent des exhortations d'eux. Ça, c'est le sens linguistique, les frères. Ibn al-Athir aussi a cité le terme de salafi ou de salaf dans ce sens-là d'un point de vue linguistique. Maintenant, le terme religieux de salaf, on l'avait expliqué, qu'est-ce qu'il voulait dire, on avait donné plein de définitions. On va y revenir, Inch'Allah. Le terme de khalaf, maintenant. Lafdatu khalaf. Lafdatu khalaf ya'ti fi lughati al-arabiyya ala darbayn. إما يقال خلف بفتح اللام خلف أو بإسكانها خلف كلتاهما متداولة في اللغة العربية. ما معنى الخلف وما هو الفرق بين الخلف والخلف؟ الخلف بفتح اللام على معنيين. المعنى الأول المتأخر، والمعنى الثاني من تلك الكلمة الطالح. Je m'explique. Le terme de khalaf qui vient s'opposer au terme de salaf. On peut le dire de deux façons différentes. Ou bien on dit khalafun, ou bien on dit khalfun. Écoutez bien, c'est très important, mes frères. Car ce terme-là est dans le Coran. Si on dit khalafun en mettant une fatha sur le lam, khalafun, alors il a deux sens différents. Ou bien il veut dire celui, le tardif, celui qui viendra après, al-muta'akhir. Ou alors il veut dire al-talih. Al-talih, c'est une personne pervers, méchante, vile. C'est le contraire de salih. Quelqu'un qui est pieux. Hein? Donc le terme khalaf, on peut le comprendre de ces deux façons. Et ce qui viendra nous préciser son sens, c'est le contexte dans lequel il est. Maintenant, on a le deuxième terme, khalfun. Bi iskani lam avec le lam sakin khalfun la yahtamilu illa ma'nan wahid. Il ne comprend qu'un seul sens, c'est le sens de talih. Autrement dit, pervers, obscène, méchant, vil. Walizalika yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun qala khalfun aw khalafun khalfun bi iskani lam. اسمعوا جيدا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا في سورة مريم. يقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ولم يقل خلف
إذن المعنى هنا الجيل جيل الطالحين جيل الفجار جيل الفساق. قبل هذه الآية وقبل أن ذكر الله تبارك وتعالى تلك الأجيال ذكر الأنبياء والصالحين الذين قدموه وتقدموا في الزمن. ذكر الله تبارك وتعالى نبينا موسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس. نعم. وبعد ذلك وبعد أن ذكر صفاتهم الجميلة قال فخلف من بعدهم من بعد هؤلاء الأنبياء خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله تبارك وتعالى après avoir cité les prophètes ou une partie des prophètes et avoir cité leurs nobles qualités a cité justement que ils allaient être suivis dans le temps et dans les époques par des générations pervers. Qui nous prouve cette perversité? C'est Allah lui-même en disant فَأَضَعُوا الصَّلَاتِ. Ils ont négligé la prière, ils ont suivi leur passion. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le terme de khalf. Il n'a pas dit khalaf. Khalf. حَتَّى لَا يَحْتَمِلُوا تِلْكَ الْكَلِمَةَ أَكْثَرْ مِنْ مَعْنَى. إذن انظروا ذلك الجيل من الخلف أضاعوا الصلاة وتهاونوا بها مع أن الصلاة ميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين وعمدة الدين هي عمدة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعماده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن الصلاة من أكبر ومن أجل العبادات على الإطلاق ومع ذلك ضيعوها واتبعوا الشهوات. إذا كانت أو إذا كانوا يضيعوا الصلاة مع أنها آكد الأعمال وأفضل الخصال كانت لسواها ودونها أو لدونها أضيع وأرفض. لماذا؟ لأنهم اتبعوا شهواتهم. نعم. Je m'explique. Ils ont délaissé la prière, alors que la prière c'est un des actes d'adoration les plus nobles auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans toutes les législations qui ont traversé les époques, la prière c'est un acte d'adoration qui est un des plus nobles auprès d'Allah. Jusqu'à ce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la prière umdatud din, c'est un des piliers de la religion, si ce n'est après shahada le pilier, le plus grand pilier de la religion. Malgré ceci, ils l'ont délaissé. Ils ont été négligents envers elle. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont suivi leur passion. Taba'u shahawat. Hein? Alors qu'on sait que si cet acte d'adoration, comme le dit l'imam Abdurrahman ibn Sa'adi dans son tafsir, si cet acte d'adoration a été délaissé et négligé, que dire alors des autres actes d'adoration qui sont en dessous de la prière? À plus forte raison, ils les ont délaissés et négligés. Donc Allah les a cités, ces gens-là, comme étant khalfun, des générations de pervers. Pourquoi ici nous parlons de ce verset coranique et quel est le lien avec le chapitre sur lequel on est en train de, sur lequel on étudie et sur lequel on est en train de discuter? Justement, c'est que il nous est demandé clairement de suivre Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs, et ne pas faire comme ces gens-là qui n'ont pas suivi leur Salaf parmi les Anbiya, parmi les prophètes et les gens pieux. Non, jusqu'à ce qu'ils délaissèrent la prière et suivèrent leur passion. Ma hiya an-natija ya ikhwati al-kiram, fa sawfa yalqawna ghayya, ay fa sawfa يعذبهم الله تبارك وتعالى عذابا مضاعفا شديدا. نعم. Ils rencontreront الغاية الخسارة, la perdition. وقيل الغاية واد من أودية نار جهنم في قعر جهنم. Ils rencontreront الغاية, savoir, ils ont dit, ils rencontreront un châtiment terrible, مضاعف, c'est-à-dire multiplié dans la douleur. Ou alors, El Ghay, c'est une des vallées qui se trouve au fond de l'enfer. Elle s'appelle Rayou.
Voilà le sort de ceux qui ne suivent pas leurs pieux prédécesseurs, comme ils se devraient de le faire. ولكن يا اخوتي الكرام من باب الترجي وانتم تعرفون ان باب التوبه مفتوح باب التوبه عفوا مفتوح الا اذا كان الانسان في غرغره الموت او اذا كان ميتا باب التوبه مفتوح ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في الايه التي تليها الا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا استثنى الله تبارك وتعالى من تاب إلى الله من راجع إلى الله تبارك وتعالى وأقلع عن المعاصي وندم عليها نعم واستغفر الله تبارك وتعالى وأدى حقوق المظلومين إلى غير ذلك من شروط التوبة حتى تكون التوبة مقبولة عند الله تبارك وتعالى نعم يا إخوة إلا من تاب وآمن آمن بالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خير وشهر وعمل صالحا أي عمل صالحا أعمالا صالحة موافقة لما جاء به الشرائع الدينية أو السماوية فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا شيئا جاءت تلك اللفظة ناكرة في سياق النفي تعم أي شيء لا يظلمون في أي شيء كانت صغيرة كانت أو كبيرة Je m'explique الله تبارك وتعالى après leur avoir destiné un châtiment douloureux pour ceux qui contreviendraient à la voix de leurs pieux prédécesseurs Et nous sommes nous directement concernés, nous aussi. Naam, si on fait défaut au suivi des salaf salih. Alors Allah nous prépare un châtiment, comme il a préparé un châtiment pour ceux qui avaient fait défection à la voix de leurs pieux prédécesseurs parmi les prophètes et les gens pieux. Voilà qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin de nous donner de l'espoir, a accepté une catégorie de gens. Qui seront sauvés de ce châtiment. Quels sont-ils ? Ce sont ceux qui se repentront à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui reviendront vers Allah. L'âme, qui reviendront vers Allah avec les conditions du repentir, afin que le repentir soit accepté auprès d'Allah. En délaissant leurs péchés, en délaissant leurs passions, en appliquant les injonctions divines, l'âme, que ce soit dans les paroles, dans la croyance ou dans les actes d'adoration, en regrettant les péchés. En réparant le tort de ceux qui ont subi l'injustice. Si la personne, elle fait ceci, elle revient vers Allah. Puis elle croit. Allah vous envoyez au livre, au jour dernier, au sipnet de la foi comme vous connaissez. Et qu'elle fait des actes pieux conformes à la législation de leurs prophètes respectifs. Et nous, de notre prophète Mohammed Assad wa salam. Alors cette personne-là, Allah la fera rentrer au paradis. Allah ne lui fera pas injustice. L'importance, ce verset-là nous montre l'importance de suivre la trace des pieux prédécesseurs dans la vérité. Non? Et de ne pas faire comme eux, ils ont fait. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام الذي عاش في القرن بين القرن السابع والثامن الهجري رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف نعم وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا خير إلا حقا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا شيخ الإسلام دي il n'y a aucun tort et aucune honte pour celui qui manifeste la voie des salaf et s'affilie à eux au contraire Il est même obligatoire d'accepter ceci de lui, car la voix des salafs n'est que la vérité. Kalamu man, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Thumma yazkuru al-muallifu ba'da dhalika, kalam Ahmed ibn Hajar al-Butami, fi kitabihi al-Aqad al-Salafiyya,
يذكر هذا الإمام وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. طيب هذا الكلام وهذا التعريف من مذهب السلف الصالح يذكرنا بتعريف الذي عرف به الإمام السفاريني لو تذكرون. نعم cette définition qu'a cité ici l'imam Abu Tami nous rappelle la définition qu'avait donnée l'imam Safarini fi Lawami' al-Anwar al-Bahiyya dans son livre sur la voie des salaf. Qu'est-ce que la voie des salaf? Et en fait, il n'a fait que rapporter pour mot à mot ce qu'a dit l'imam Safarini. Nous l'avions déjà cité dans les cours, dans les premiers cours. Mais ici, je vais le rappeler car elle est très importante. La définition de la voie des salaf. Écoutez bien, les frères. Il dit sur la base de ceci, la voie des salaf est. Et à partir d'ici, là, c'est la définition de l'imam Safarini. Il dit, Madhhab al-Salaf, la voie des salaf, c'est ce sur quoi étaient les nobles compagnons qu'Allah les agrée, ainsi que les suiveurs, ainsi que les imams de la religion, a'immatuddin, ceux-là même qui ont reçu l'approbation quant à leur statut religieux ou leur notoriété. Ceux-là même qui sont connus pour leur grande religiosité. Ceux dont les gens prennent de leurs paroles génération après génération, comme les quatre imams. Les quatre imams, Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik ibn Anas ou l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ou comme Sofiane al-Thawri, al-Lays ibn Sa'd, ibn al-Mubarak, al-Nakha'i, al-Bukhari, l'imam Muslim, et tous les savants des Sunan. Savants des Sunan, Abu Daoud, ibn Majah, al-Tirmidhi, al-Nasa'i et autres. En dehors, et ceci, en dehors de ceux qui ont été accusés de commettre des innovations religieuses ou bien ceux connus par un qualificatif non acceptable, comme al-Khawarij, comme al-Rawafid, comme le Qadariya, le Murji'a, le Jahmiya, le Kahramiya et autres. N'am les frères? Alhamdulillah, c'est des choses que nous avions déjà vues, mais il est toujours bon de les rappeler afin que la voie, cette voie-là, elle soit claire dans notre esprit, Inch'Allah. N'am, afin qu'on puisse la suivre avec science et clairvoyance. بعد ذلك فقد سئلت اللجنة الدائمة ما هي السلفية وما رأيكم فيها. Donc le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite a été questionné par la question suivante. Mahi al-Salafiyya, qu'est-ce que la Salafiyya et quel est votre avis dessus? Non? Qu'est-ce que la Salafiyya et quel est votre avis sur ceci? L'Ajna, c'est un comité, c'est un corpus de savants, de grands savants, qui, lors des questions religieuses, se rassemblent si nécessaire et ensuite d'un accord commun, émettre des fatwas, conformes, Inch'Allah, au livre d'Allah, à la sunnah du prophète, à cette wa-salam. Donc le comité a répondu en disant « As-salafiyyatu nisbatun ila salaf, wa salafu hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa a'immatul huda min ahli al-qurun al-thalathati al-oula radiyallahu anhum. » الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف وقد تقدم معناه وهم الذين ساروا على منهج السلف في من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة انتهى كلامهم. Donc ils disent
La salafia se rapporte aux salaf, et les salaf sont les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum, et les imams de la guidée parmi les trois premiers siècles, comme nous l'avons cité à l'instant, peu de temps avant, d'après le prophète, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en bien en leur faveur en disant: les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivèrent, puis ceux qui les suivront. Puis viendra des gens dont le témoignage de l'un d'entre eux précédera sa juridiction, et sa juridiction son témoignage. Je vais expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah. Les salafiyoun est le pluriel de salafi, en rapport au salaf. Son sens a déjà été spécifié. Ce sont ceux qui ont cheminé sur la voie des salafs dans le suivi du livre et de la sunna, dans la prédication vers le livre d'Allah et de la sunna, dans l'application de ses enseignements. Ils sont pour ceux-ci les gens de la sunna et du groupe. Là, c'est clair les frères? Oui. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yajihu akwamun » تَسْبِكُ شَهَادَتُهُمْ شَهَادَتُ أَحَدِهِمْ يَمِينَ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَ. Ici, cette phrase-là en arabe, elle veut dire quoi? Comme l'a dit Ibn al-Jawzi, أَنَّ هَاهُلَا لَا يَتَوَغْرَعُونَ فِي الْحَلْفِ وَالْيَمِينَ. Ces gens-là, qui viendront après ces trois générations bénites, on va dire, ou sur la guidée, des gens viendront qui ne feront pas attention même dans des choses comme ça, sur le fait de jurer ou de témoigner. Ils ne prendront pas de précautions, ils seront négligents quant à ces choses-là, et d'une manière générale, ils seront négligents sur les choses de la religion. Non. Et c'est pour ceci que le prophète a dit, alayhi wa salam, leur témoignage précédera alors le fait qu'ils jurent leur juridiction, ou le contraire. C'est-à-dire que de par leur manque de science sur ces choses-là, ils feront les choses à l'envers. Ils feront n'importe quoi. Non. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, mes frères. Après les trois premiers siècles, l'ignorance, elle s'est propagée. Non. Et nous avions vu que parmi les choses qui ont causé beaucoup de tort à la croyance des musulmans, c'est le fait que les textes grecs philosophiques, les textes de Platon, Aristote et autres, ont été traduits en langue arabe. Sous l'ordre de Ma'moun, Al-Khalifatul Abbasi. Ils ont été traduits en arabe. Et dès lors qu'ils ont été traduits en arabe, ils se sont mélangés avec la croyance des musulmans. Jusqu'à ce que des gens, certes, qui faisaient partie de l'élite, qui se croyaient au-dessus des autres, de par leur compréhension des choses, ce qu'on pourrait appeler à notre époque des intellectuels. Ces gens-là ont commencé à mélanger le dogme, la croyance islamique, la croyance des sahaba, avec ses égarements et ses conceptions et ses philosophies grecques erronées, qui pour la plupart ne mènent qu'à la perdition. Mais ce mélange-là, mes frères, il a perduré à travers les siècles. Et ces sciences-là et ces philosophies-là se sont héritées, djilan ba'da djil, jusqu'à notre époque. As'Allah sabat. يقول الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى: الكل يدعي أنه منتم إلى الكتاب والسنة وأنه آخذ بالكتاب والسنة، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال السلفية، وأن يقال السلفيون، وأن يقال سلفي. Je vais déjà vous traduire cette première partie. Cheikh Raslan dit, tout le monde, toute personne musulmane qui a un tant soit peu de raison, prétend appartenir au livre et à la sunna, comme nous l'avions déjà évoqué. Non, vous n'allez pas voir une personne, impossible que vous ayez trouvé un musulman qui va vous dire, moi je ne suis pas le livre d'Allah et la sunna du prophète. Non. Chacun se réclame du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde prétend appartenir
ou revenir au livre d'Allah et la sunna du prophète, se conformant et puisant du livre de la sunna. Mais mes frères, al-qa'ida taqoul, al-ibratu bil-haqa'iq la bid-da'awa. Hadi qa'idatun dhahabiyya. Alikum an tahfazuha. Vous devez l'apprendre, vous devez l'avoir en tête, inshallah. Quelle est cette règle très importante? La considération des choses est envisagée, la considération à envisager réside dans la réalité et non dans les prétentions ou les allégations. Il faut toujours considérer la réalité des choses et non pas juste des prétentions ou des allégations. Non. Si toi tu prétends être sur le livre d'Allah, sunna du prophète, c'est tes paroles, ta croyance et tes actes qui nous le prouvent. Ce n'est pas juste le fait que tu dises « Je fais partie, je suis le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Non. Sinon, dans ce cas-là, alors, tous les chiites, à notre époque, on les considérera comme les gens de la sunna, car eux, ils disent « Nous suivons le livre d'Allah et la sunna du prophète. » Ou la réalité des choses est tout autre. Donc, leurs allégations, leurs prétentions, leurs da'awa, non, elle n'a aucune valeur pour nous. Nous regardons la réalité de leur madhab, la réalité de leur suivi. Qui ils suivent? Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? À partir de ceci, nous établissons un statut juridique sur eux. Hein? Donc, ayez bien cette règle en tête, Inch'Allah. C'est pour cette raison que certains savants réprouvent le terme de salafia ou salafiyoun ou bien salafi. Écoutez bien, car Cheikh Hassan va expliquer ici. Il dit, يقول لم يكره ذلك للنسبة في ذاتها وإنها وإنما الكراهة إذا ما صارت فرقة وجماعة فإذا صارت فرقة وجماعة صارت مذمومة وإن تسمت بهذا الاسم الشريف لأنها إذا ما تحزبت فصارت فرقة لها سمع وطاعة ولها بيعة ولها عمل صغري إلى غير ذلك مما هو معروف في مناهج الفرق المنحرفة من أهل الأهواء كانت مذمومة. Il dit, ces savants-là qui réprouvent cette terminologie de salaf, salafiyoun, salafi, ils ne réprouvent pas ceci en elle-même, pas par cette terminologie-là en elle-même, mais leur réprobation ont lieu dès lors que la salafia devient une secte ou un groupe. Là, au même titre que les autres. Et si il en est ainsi, elle est réprouvable. Fut-elle appelée par ce noble nom? Car si elle devient un groupe partisan, ce qu'on appelle le tahazzoub en arabe, le partisanisme, c'est-à-dire que je fais l'alliance et le désaveu sur mon groupe, pas sur la vérité, mais sur mon groupe ou sur mon étiquette. Les gens de la Sunna sont loin de ceci. Les gens de la Sunna font l'alliance et le désaveu sur la vérité. Non. Tout ce qui vient en conformité avec la vérité, nous l'acceptons. Non. Même si elle vient d'un moubtadir. Et le faux, nous le rejetons, même s'il vient d'un salafi. Faut que ce soit clair, mes frères. Al-wala ou al-bara fil haqqi, walil haqqi. Non. Walakin. Si des personnes se réclament de la salafia, ou se réclament en étant nous, nahnu salafiyoun, mais ils ont les mêmes caractéristiques que les gens, que l'ahzab, que les gens qui font du partisanisme ou du sectarisme, à savoir, comme le dit Cheikh Raslan, as-sam'u wa ta'a, l'obéissance et l'écoute pour ce parti ou pour ce clan, le pacte d'allégeance, le bay'a, des actes secrets et cachés, comme c'est le cas des sectes, comme les Ikhwan Muslimin et autres, établir. Alors, ils ont les mêmes caractéristiques que ces gens-là. Donc, en ceci, c'est réprouvable. Et c'est d'ailleurs le sens de la parole de Cheikh Al-Athaymin, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, qui a été questionné à ce sujet. Voilà que les gens l'ont mal compris et l'ont utilisé dans un sens que Cheikh Al-Athaymin n'a pas voulu exprimer. Où on lui avait posé la question. Salafia, est-ce que c'est quelque chose qui est réprouvable ou il est obligatoire de
s'est conformé. Sharif Emin, dans sa réponse, a dit, il est obligatoire de se conformer au Salaf Salih. Non? Ou à la voix des pieux prédécesseurs. Amma Salafiya ka Hizb, lahu sam'un wa ta'a, lahu bay'atun, lahu amalun sirri, ila ghayri zalika mimma huwa ma'rufun, min al-ahzab al-munharifa, hada fahuwa madhmoum. Hada, c'est réprouvable, mes frères. Non? Donc, le tahazzub, il est strictement interdit dans l'islam. Si ce n'est le partisanisme pour la vérité. Non, pour tout ce qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc il faut faire aussi attention à ceci. C'est dans l'autre sens. Si vous voyez des frères qui se réclament de la salafia, mais qui font du partisanisme aveugle, non, en suivant des savants aveuglément, en faisant abstraction des textes religieux, alors ça c'est une porte pour rentrer dans le tahazzoum. Il faut faire attention à ceci. Non. Les savants ne sont qu'un moyen pour comprendre, pour nous faire comprendre les textes. Mais bab al-taqrib, taqrib an-nusus al-shar'iyya, pour nous rapprocher d'explication et le sens des textes religieux. Ce ne sont pas une fin en soi, les savants. Voilà, c'est un moyen pour arriver à la compréhension des textes religieux. Et les textes religieux, c'est la vérité. Non, kitab wa sunnah. Vous avez compris, les frères? Et dan al-salafiyatul haqqa. Le vrai manhaj salafi ou la vraie salafia, c'est celle qui est attachée à la vérité, à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète en premier lieu, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Amma bi nisbati fi zatiha. Falaw anna qawman qalu nahnu ahlu sunnati wal jama'a wa laysa kadhalik kama yaf'alu al-kutubiyyun al-an yaqulun nahnu ahlu sunnati wal jama'a. فهل نغادر نحن أهل السنة والجماعة هذا المصطلح الشريف لأن هؤلاء نازعون فيه بغير حق حاشا وكلا. Il dit Cheikh Raslan, حفظه الله تبارك وتعالى, quant à sa propre terminologie, quand on regarde le terme en lui-même, السلفية, si des gens venaient à dire nous sommes les gens de la sunna et du groupe, alors qu'il n'en est rien. Comme le font actuellement qui? Al-Qutbiyoun. Qutbiyoun, c'est tous ceux qui ont été touchés à plus ou moins grande échelle par l'idéologie de Sayyid Qutb. Qu'Allah lui pardonne. Rahmatullahi tabarakatuh. Sayyid Qutb, kana rajulan adiban. C'était un homme de lettres qui a vécu en Égypte à une époque de troubles et qui a fait sa propre interprétation de la religion. Et qui a eu des erreurs et des errances. Le problème, c'est qu'il a été suivi dans ceci. Dans ce qu'il a fait de bien et dans ce qu'il a fait de mal. Et ça a causé beaucoup de dégâts par la suite. Jusqu'à ce que les savants actuels à notre époque disent que l'idéologie des Khawarij, elle a été remise à jour par les écrits de Sayyid Qutb. Le problème, c'est qu'il a laissé des écrits derrière lui. Et ces écrits-là, ils sont pris comme référence, comme base pour beaucoup de personnes qui se réclament des gens de la sunna. Il est là le problème, mes frères. Ceux qui suivent les idéologies et les conceptions de cette Qom se réclament, eux, des gens de la sunna. Nahnu ahlu sunnati wal jama'a. Non, mes frères, voilà la dangerosité pour ceux qui ne sont pas avertis de ces choses-là. C'est qu'ils vont être trompés par des beaux discours. Non. إذن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. La considération à prendre, c'est dans la réalité des choses, pas dans les allégations, dans les affirmations. Non. إذن يقول الشيخ الإسلام, la considération réside dans la réalité, non les allégations. Nous ne nous détournerons pas de cette noble appartenance à cause du fait que des gens faisant partie des gens de la déviance, de l'insouciance et des passions et de l'égarement nous la disputent. Cette dénomination. Ce n'est pas parce qu'eux, ils disent nous sommes Ahlus Sunnati wal Jama'a que nous, on va délaisser cette terminologie. Alors, Cheikh Hassan dit, comme le font actuellement le Qutbiyoun, ils disent nous sommes les gens de la Sunna du groupe. Est-ce que nous laisserions, nous, les gens de la Sunna, cette noble dénomination pour la raison que cela nous la dispute sans droit? Hacha wa kalla. Naam. Ahlus Sunnati wal Jama'a,
منذ زمن الثوالث منذ الرعيل الأول هم من كان على طريقة النبي والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها هؤلاء أهل السنة والجماعة ونسأل الله تبارك أن يجعلنا منهم. Donc si des gens nous disputent cette terminologie, nous leur disons « هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ولكن on ne leur laissera jamais le fait ou ce titre-là qu'ils veulent s'approprier afin de pouvoir justifier leur voie, non, et pouvoir ramener les gens vers eux. يقول أبو حاتم بن حبان رحمه الله تبارك وتعالى الذي ولد في سنة 70 بعد 200 وتوفي سنة 54 و300 من الهجرة. حاتم أبو حاتم بن حبان من أئمة السنة يقول في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة جعلنا الله منهم بمنه. Il dit, l'imam Ibn Hibban, Abu Hatim, qui est né en 270 de l'Hégire, qui est mort en 354, donc c'est la génération après l'imam Ahmed, en gros. Il dit, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cramponnez-vous à ma sunna, c'est un hadith que vous connaissez tous. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdi. Cramponnez-vous à ma sunna. Il dit, et ceci lorsqu'il évoqua les divergences et dissensions qui auront lieu dans sa communauté, claire et évidente. Celui qui sera assidu sur les traditions parlera et appellera à elles. Sans s'arrêter sur les avis contraires à elles, fera partie du groupe sauvé le jour du jugement, qu'Allah, par sa grâce, nous fasse partie d'eux. Amin. يقول الشيخ رسلان معلقا على كلام أبي حاتم ابن حبان ثم بوب رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح قال ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم السنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل ما يأباها وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه. Il nomma un chapitre de son authentique. Donc l'imam Ibn Hibban a rédigé un recueil de hadiths qu'il appelle As-Sahih. Même si tous les hadiths dedans ne sont pas authentiques, ils n'ont pas le même degré d'authenticité que le Sahih de Bukhari ou un muslim. Walakin, il s'est efforcé de rassembler tout ce qui était Sahih pour lui. Sahih Ibn Hibban. Il nomma un chapitre de son authentique de la façon suivante. Regardez comment il l'a évoqué. Son chapitre. L'évocation des informations concernant l'obligation pour la personne de s'attacher aux traditions de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, de préserver son âme de toute personne qui viendrait, qui la prendrait en aversion, même s'il venait à lui embellir à ceci à ses yeux. Il faut savoir une chose, mes frères, de manière générale, c'est que ashabu sunan ou ashabu sihah, les gens qui ont compilé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Al-Nasa'i, etc. Tous ces grands savants qui ont compilé et qui se sont efforcés de rassembler les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète, d'une manière générale et presque à l'unanimité, ils étaient sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه ميزاتون يتميز بها عن غيرهم. C'est une caractéristique qu'ils avaient, les gens de ces livres-là, qui ont compilé les hadiths, c'est qu'ils étaient sur la sunna et sur les traces de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, même de façon logique, on peut le concevoir. Comment c'est qu'ils avaient jour et nuit les hadiths du prophète sous les yeux? Comment ne pas être touché par ceci? Naam, kanu yata'amaluna ma hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'amalat as-sahibi مع صاحبي نعم يرافقه الليل نهارا. Donc vous verrez et vous remarquerez que ces gens-là, ils étaient sur la sunna du prophète, نعم, et ils appelaient les gens au suivi scrupuleux des traces des pieux prédécesseurs.
يقول الشيخ رسلان فيجب على المرء أن يلزم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وعليه أن لا يلتفت إلى إغراءاتهم وتزيينهم وتحسينهم وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوا له وزينوه له. شيخ رسلان en résumé il dit la même chose que ce qu'a dit Ibn Hibban. Et vous remarquerez ici que même dans la rédaction, ça c'est quelque chose que vous devez aussi avoir en tête mes frères, c'est que les gens de la sunna, même dans la terminologie, même dans la façon de s'exprimer, ils prennent des salaf salih. Regardez ici comment Cheikh Raslan, pour ceux qui ont le livre, regardez comment il a repris le kalam de Ibn Hibban. Il l'a repris dans les mêmes termes. Naam, il n'a pas rajouté ou innové ou rajouté un mot nouveau. Ceci pour nous montrer que même hatta fi tahrir al-kutub, yatamathaluna bi salaf as-salih, même dans la rédaction des livres, on garde et on reste sur la trace des pieux prédécesseurs. Comment eux ils ont rédigé leurs livres? Quelle terminologie ils ont employé? Enfin, comme ça, on est sûr de rester, de ne pas s'égarer et de ne pas tromper les gens ou de les induire en erreur. Vous avez compris, les frères? Donc ici, c'est d'akhir. Mais vous pouvez trouver ça souvent chez les savants de la sunna. Non, ils reprennent les mêmes termes, les mêmes expressions, les mêmes phrases que les pieux prédécesseurs. Non. Donc il dit, Cheikh Raslan, il est donc obligatoire à la personne de s'attacher à suivre les traditions de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa personne de tous ceux qui viendraient en aversion, qu'il apprendrait en aversion à Fouane parmi les gens de l'innovation. De même qu'il lui est obligatoire de ne pas se tourner et de considérer les incitations séductrices et leurs embellissements, même s'ils venaient à lui embellir à ses yeux. D'accord ? Même si les gens de l'innovation venaient vous embellir leurs innovations à vos yeux, ne soyez pas trompés. La taltafitu ilayhim, ne vous détournez pas vers eux, ne serait-ce qu'un seul instant. L'âme. Hakadha. كان سلفنا الصالح لا يلتفت وكانوا لا يلتفتون إلى أهل الأهواء وأصحاب البدع. ثم يذكر المؤلف بعد الأحاديث التي مرت بنا في دروس سابقة لا حاجة لنا اليوم بإعادة ذكرها ولكن نقتفي بما قال المؤلف في آخر الباب يقول وهذا ما عليه سلفنا من علمائنا أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث هم أهل الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فيهم قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افتركوا على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة 72 في النار وواحدة في الجنة هي الجماعة. C'est un hadith qu'on avait déjà évoqué, mes frères, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, parmi vous, parmi ceux qui vous ont précédés, les gens du livre se sont divisés en 72 sectes. Non? Et ma communauté se divisera en 73 sectes. 72 dans le feu, une qui sera sauvée, c'est le groupe. Qui peut me dire que signifie le groupe? بارك الله فيك الجماعة نعم هم الذين يوافقوا الحق هم الذين يقتدون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وإن كانت الجماعة رجلا واحدة كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة أن توافق الحق ولو كنت وحدك نعم الجماعة تحكم عليها بالجودة لا بالعدد بل تحكم ولا بالجودة يعني تحكم عليها بأنها توافق الحق نعم هذه هي الجماعة c'est celle où nous statuons sur elle à savoir que c'est elle qui est en conformité avec la vérité et non pas le nombre d'accord car nous avions expliqué que الجماعة il a le sens de l'ijtima' كما قال الشيخ صالح العثيمين
Al-jama'a bima'na al-ijtima'a. Humul ladhina ijtama'u 'ala 'ala al-haqq. Donc si une personne, c'est ceux qui sont réunis sur la vérité, même s'il n'y en avait qu'une seule, c'est lui le jama'a. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud. Non ? وهذه الفرق النارية ليست بمخلدة كلها في النار بل منها ما بل منها من يدخل النار لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت لهم عقد الإسلام ومنها من هو مخلد في النار إذا ما أتى بمخالفات تكفر. Donc ici le mu'allif nous dit que parmi ces groupes destinés à l'enfer, il y a certains parmi ces groupes qui ne s'éterniseront pas en enfer. Et d'autres qui s'éterniseront en enfer. Suivant la nature de l'innovation religieuse. L'innovation religieuse, imma an takuna mufassiqa, imma an takuna mukaffira. Ou bien c'est une innovation qui va te faire sortir de la droiture, mais tu resteras dans l'islam. Et il y a d'autres innovations religieuses qui te feront sortir de l'islam. Hein? Comme par exemple, le fait de demander l'intercession des morts. Hadi bid'atun. C'est une innovation religieuse. L'âme, le prophète ne l'a jamais fait. Sahaba ne l'ont jamais fait. Les trois premiers siècles ne s'adonnaient pas à ce genre de choses. Ceci est venu par la suite. Cet acte-là est un acte annulatoire de l'islam. Celui qui le fait, après que les preuves lui furent venues, c'est la sort de l'islam. S'il continue dans ceci. Donc c'est une innovation qui fait sortir de l'islam. S'il meurt dans cet état-là, il s'éternisera en enfer. Comme le fait de fêter l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non? C'est une notion religieuse réprouvable. La personne commet un péché grave. Walakin, il ne sort pas de l'islam pour ceci. Wa nakhtimu hadha al-bab biqawli al-mu'allif idhan manhaj al-nubuwa manhaj al-salaf huwa tariq ashab al-hadith والأثر وهو محكوم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم غرز أصحابه الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأهدي بنا وجعلنا سببا لمن يهتدى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما